Effectivement, Fabien Yacine Bahoumou est avec nous, buteur ce soir pour le Stade Malherbe de Caen qui s'est imposé face à Viry-Châtillon. Et surtout que ce match sentait le piège face à une équipe qu'avait sorti Angers au tour précédent. C'est clair, hein, c'était un match annoncé très compliqué. Voilà, Angers était venu perdre contre Viry. On le savait, on était prévenus. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les coéquipiers et tout le staff, on a mis ce qu'il fallait. Et voilà, j'ai ouvert le score en début de match. Voilà, j'ai eu beaucoup de force aussi. Une grosse pensée à mon ami Emiliano. Voilà, qui est disparu, qui portait disparu. Et je pense qu'il m'a donné beaucoup de force et d'envie aujourd'hui. Voilà, je dédie cette victoire, ce but pour lui. On l'a vu lors de la célébration, vous avez pensé à lui, vous aviez confié que c'était comme votre frère. C'était difficile pour vous de jouer ce soir. C'est clair, hein, depuis l'annonce de sa disparition, c'était pas facile pour moi. Mais j'ai réussi à me concentrer grâce à ma femme, ma famille, mon entourage. Voilà, je les remercie, à tous mes coéquipiers. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à lui donner toute cette force pour lui. Vous avez une pensée particulière pour ce joueur? C'est clair, voilà. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, depuis mon réveil, c'était pour lui. Merci beaucoup Yacine, et la victoire du Stade Malherbe de Caen qualifié pour la suite de la compétition.